S'agit de Léa Serna, double championne de France en titre. Victorieuse cette année à Nice, comme l'année dernière d'ailleurs. Léa Serna qui termine donc avec son programme, avec cette chute, elle aussi, hein, en début de programme. 6 patineuses et 5 chutes en début de programme. Seule Lauryn Shield n'a pas resté sur ses patins. Sur le debout. Ouais. Bah là, malheureusement, elle est tombée sur un élément sur lequel on ne s'attend pas à une chute, hein, sur une pirouette, sur la première pirouette du programme. Elle a pourtant débuté sur une belle combinaison de sauts très glissés avec un... Voilà, très propre, les trois sauts sont très propres. Et là, faire une telle chute à laquelle personne ne s'attend sur la pirouette, bah c'est dommage parce qu'elle va perdre facilement dans les 5 points, plus la déduction sur la chute. Donc c'est dommage. Sur la composante artistique, elle est clairement mature. On le voit que c'est une senior depuis de nombreuses années. Très jolie. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Hein. C'est dommage. Brian Joubert, hein, côté de Léa Serna. Putain, mais c'est pas possible. Oh, j'ai chassé, mais d'une violence, j'ai rien pu faire. J'étais perdu quoi. Moi j'ai aucune idée, mais c'était bien, franchement je me suis juste donné, battu comme une malade. Ça reste bien. Tu vois, le loot, j'ai vu la cheville faire ça, tu vois. Ah, le loot, j'ai juste donné ma vie. Ouais. Ah mais je sais pas ce que c'est qu'il y a chassé, mais... Je sais pas, mais ce que c'est...
mais la, en vrai, il était bien, mais la cheville, j'ai... Mais tu vois, après la période, je me suis dit, faut pas que ça tourne la musique parce que je me suis pris un point pour vraiment, c'est un coup. Enfin, mais quel con, c'est tellement de points de... Ah, elle s'en veut, hein. Elle s'en veut, là. Ça se rattrape tout ça, ça va aller se rattraper évidemment pour sur le programme libre. Oui, ça se rattrape. On va déjà voir le score, on va voir l'écart de points entre les deux, entre elle et Laurine. Bon, elle garde le sourire quand même. Ouais, elle garde le sourire. Elle a fait le job sur les sauts. Malheureusement, la pirouette là, bah, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Je pense qu'elle a le pied qui a chassé lors de l'impulsion, lors du piqué. Faudra analyser en image, voir pour ne pas reproduire ce type d'erreur. Bon, pendant qu'on attend la note, je vais aller Fabrice rejoindre. La position pour faire les deux interviews des deux jeunes femmes. On va accueillir dans quelques instants probablement Laurine Shield et Léa Serna. C'est toujours très très long à arriver ces notes. Elles ont été un peu plus rapides pour... voilà. Donc pour Léa qui la place en première position. C'est selon vous, Fabrice, logique au vu des deux prestations de Léa Delorine? Quand on prend en compte la globalité des éléments, c'est oui, ça peut, faudra analyser, mais pour moi il y a